Tu dois peser, là. C'est dur pour eux. Attends, j'aurais dû l'acheter, l'appeler délicat. C'est ça oui, que je regrette. C'est surtout ça que je regrette, c'est de ne pas l'avoir appelé délicat. Bon, il vient de s'installer entre nous deux. Bon, c'est bon, ça. Ah oui, là. Bon, Seigneur, il faut avoir l'air de quelque chose, là. Tu es en entrevue, Grujo, là. Salut Anne-Marie! Salut Michel! Comment ça va? Ça va bien toi? Oui! Hey, merci de me donner une entrevue, c'est super cool! Ah, c'est super le fun que tu m'invites! Très plaisir! Fait que, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie Giroux, qui est éducatrice canine et spécialiste en détection d'odeur, ou il y a une autre façon de le dire? Travail aux fleurs! Travail aux fleurs! Donc, ça veut dire la même chose, mais c'est deux façons de le dire. Fait qu'aujourd'hui, on parle de nez! Ah oui, oui, de gros nez, comme... Des gros nez noirs ou bruns ou roses. Avant qu'on rentre dans le cadre du sujet, raconte-moi donc ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait que ben, tu es devenue spécialiste en travail aux fleurs? Ben moi, j'ai évidemment, comme la plupart des éducateurs canins que je connais et probablement que tu connais, on a pas mal tous commencé à faire des formations en éducation canine suite aux problèmes de comportement de nos propres chiens. Ah bon? Oh oui! Hein? Ah bon? OK. Alors, je fais pas exception à la règle. C'est ça. J'ai eu la même chose avec... moi, j'ai eu Bianca, elle est décédée le 2 ans. Okay. Presque 3 ans maintenant. C'est un rare deal, Bianca. Bianca, c'était mon premier chien à moi. Je l'ai eu à 2 mois. Tout allait bien jusqu'à l'âge de 2 ans. Et à l'âge de 2 ans, elle a subi des agressions, mais pas au parc à chiens qu'on fréquentait régulièrement. Okay. Dans mon secteur, sur mes rues, dans des parcs. Okay. Donc, pas au parc canin. Aucun rapport avec le parc canin. Mais... Pendant le même été, 3 agressions. Donc, des chiens qui viennent la voir, mais qui ne viennent pas la sentir, qui viennent l'agresser. OK. Elle est en laisse ou est attachée au vélo. Bref. Mauvaise expérience. Très mauvaise expérience, ce qui fait qu'après cet été-là, elle est devenue réactive, agressive. Mais agressive, là, genre petit, moyen, gros chien, jeune, vieux, je te mange avant que tu viennes me voir. OK. C'était à peu près ça. Arrange-toi pour pas venir me voir. Donc, là, j'ai dit, waouh, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, merde. Bon, je me questionnais, puis là, j'ai commencé à lire sur le sujet, puis j'ai commencé à suivre des thérapies pour elle. Puis là, j'ai vu, bon, évidemment, Jean Lessard, Patrice Robert, Jacinthe Bouchard. Tu sais, les tops au Québec, ils ont tous vu Bianca. Puis là, j'ai dit, waouh, je trouve ça super intéressant. C'est comme venu me chercher, puis ça serait un beau projet de retraite pour moi. Et j'ai commencé à faire des formations en éducation canine. OK. Au fil des années, c'est sûr que Bianca, ben oui, évidemment, sa réactivité a beaucoup diminué. Pas l'agressivité, par exemple. Ça a resté. OK. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris en comportement canin. Puis, à un moment donné, avec Bianca, je ne pouvais plus faire d'activités comme l'agilité, c'était fini. J'ai dit, bon, moi, si elle est lourde, à un moment donné, par inadvertance ou quoi que ce soit, ou si un chien vient la voir, moi, je sais, le chien, il n'y a plus de chien après. Et je ne voulais tellement pas ça que... Donc, j'ai arrêté tout sport canin. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur un séminaire qui était annoncé, détection d'odeur, une journée, amenez votre chien, c'est un chien à la fois. J'ai appelé, puis on dit, non, c'est un chien à la fois, il n'y a pas de danger, tu sais, bon. OK, fait que c'était ça, c'était safe pour oui, Bianca. Oui, alors, je suis allée, c'était une journée au complet. J'ai amené Bianca, puis on a fait les exercices là, qui étaient prescrits, les exercices de début, puis j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai vu, comment est-ce que ça fonctionnait, la détection d'odeur, faire chercher une odeur au chien. Là, j'ai amené Bianca, je mets Bianca, je la mets dans la pièce, la grande pièce où elle était. Ça en va direct, ça voit qu'il y avait l'odeur, tu sais. Bon, c'est un addon, mais c'est pas grave, mais j'ai vu, tu sais, la queue, elle était... Elle était contente, là, elle trippait. Moi, je voyais que, mon Dieu, elle aime ça. Là, je commençais à m'informer sur la détection d'odeur, c'est quoi ce sport-là, que c'est ça, cette bébite-là, où est-ce qu'on en fait, quand est-ce qu'on en fait, comment, où je comprends que je veux tout savoir, mais je veux commencer tout de suite demain matin, je vais commencer avec mon chien. Alors, j'ai commencé à faire des compétitions, suivre des cours en ligne, okay. Faire des compétitions avec Bianca, puis c'est ça, en compétition, c'est génial pour les chiens réactifs, là, okay. Parce que t'es toute seule dans une pièce, en tout cas, quand c'est des recherches de boîte ou des recherches intérieures, t'es dans une pièce, il y a le juge dans la pièce, il y a le chronométreur, il y a toi puis ton chien.
Okay. Il n'y a aucun autre chien présent. Okay. Donc, pour les chiens réactifs, c'est wow. Ouais. Puis, on va en parler des compétitions tantôt. Oui, c'est ça. Mais là, on est dans le parcours. Oui. Non, donc, j'ai découvert vraiment ce sport-là. Puis, après ça, j'ai dit, wow, quelle belle activité. Puis, je me suis rendu compte, en m'informant de plus en plus, c'est tous les types de chiens qui peuvent faire ça. Oui, mais c'est vrai. Il n'y a aucun chien qui est discriminé. Okay. Aucune race. Hey. Pas d'âge. Pas ça. D'handicap. Ils sont tous acceptés. Fait que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est intéressant. Fait que là, je voulais devenir instructeur, parce que j'ai aimé ça avec Bianca. Je voulais devenir instructeur. Je me suis dit, OK, des cours en détection d'odeur maintenant. Alors, encore Google! Et que c'était compliqué de me trouver la formation, là, vraiment spécifiée. En tout cas, c'est sûr qu'au Québec, en français, zéro plus barre, il n'y en a pas. OK. Dans toutes les recherches. La seule que j'ai trouvée abordable, ou sinon d'aller aux États-Unis, aller en Californie pour devenir instructeur d'une organisation qui ne fait même pas affaire au Canada. Donc, ouais, tu sais, à un moment donné, les certifications, c'est beau, là, mais il faudrait que ça serve à quelque chose. Donc, bref, j'ai trouvé sur c'est PPG, Professional Pet Professional Guide, okay. En ligne. OK. Cours d'instructeur, là. C'est pas un cours que tu suis là, comme activité, c'est pour devenir instructeur. Donc, les bases, comportement des odeurs, le travail du chien, l'odorat, tu sais, vraiment la base là, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, quand nos chiens font du travail au flair. C'est ça qui est passionnant aussi. Là. Fait que là, je suis rentrée là-dedans. Juste dans ce petit milieu-là de détection d'odeurs, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en entraînement, au niveau des connaissances aussi. Fait que c'est passionnant. Donc, ben oui, fait que tu as trouvé ta voie. Oui, exactement. C'est le nez. C'est le nez, c'est ça. T'as suivi mon nez. J'ai suivi mon flair, aidé par Grugeau. Oui, parce que depuis Bianca est décédée, on l'a dit, là, Anne-Marie, elle a Grugeau, un autre Airedale qui est pas mal bon. Oh. Avec son gros nez noir. Ouais, disons qu'il y avait un peu de génétique dans son truc, mais c'est sûr que l'entraînement, j'ai commencé à l'entraîner, j'y ai donné une semaine de relaxation quand il est arrivé ici, de chez l'éleveur, tout ça, une petite semaine de break. Puis l'a envoyé. Puis après ça, let's go, OK, on part avec des odeurs, puis c'est bon. Il est là-dedans depuis ce temps-là. Ouais, il y a 3 ans. Maintenant, ouais. OK, ben c'est cool. Fait que là, on va partir par le commencement. La détection d'odeur, le travail au flair, c'est quoi? Ouais. Quand on parle travail au flair, dans le fond, c'est toutes les activités qui concernent l'odorat. OK. Ben oui. Donc, la détection d'odeur qui. On fait chercher une odeur cible à notre chien. OK, une odeur spécifique. Spécifique. Okay. Déterminée. Yeah. Une fois qu'il a trouvé l'odeur, on veut aussi qu'il nous indique qu'il a trouvé l'odeur. OK. Pour qu'on sache. Ensuite, tu as Handler Discrimination, c'est détection d'odeur d'une manière, de ta propre odeur. OK. Donc, tu peux avoir une dizaine d'objets identiques. Il y en a juste un qui contient ton odeur. Ah, OK. Et là, le chien doit aller chercher l'objet qui contient ton odeur parmi les 10. Il ne te l'aura pas. OK. Ça aussi, c'est des compétitions. C'est vraiment fun. OK. Ensuite, tu as tout ce qui est tracking. C'est le du pistage. Okay. OK. On fait encore appel au flair, mais là, on ne veut pas que le chien lève le nez. On veut vraiment du tracking, c'est du pistage, donc c'est la piste. On veut que le chien... Il y a une piste sur le sol qui a été faite par un pisteur. Donc, il a marché une piste, il a fait un trajet. Et dans la compétition, le chien doit vraiment rester sur la piste puis refaire le trajet. Ah. Donc, tu vois, ça, je ne connaissais pas ça. Ça, c'est un autre. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Et il y a d'autres, pas vraiment des sports. Je sais pas, j'espère que j'en oublie pas en flair, mais tout ce qu'il y a recherche et sauvetage, c'est du travail au flair aussi. Oui, parce que là aussi, le chien. Mais là, le chien va utiliser du pistage, puis il va utiliser aussi le air scent, l'odeur présente dans l'air. Dans l'environnement. Okay. Ça, c'est pas vraiment un sport, le recherche et sauvetage. Non, c'est plus du travail. Mais moi, j'ai fait trois petits ateliers pour juste initier mon chien, juste pour voir. Tu sais, c'est pas du tout. Juste par curiosité, savoir si ton chien a du talent ou pas. Puis finalement, ben oui, il a du talent. Fait que, mais bon, moi, j'ai pas poursuivi là-dedans, là, mais... Donc, la détection d'odeur, c'est un sport. C'est un sport aux États-Unis, ça fait des années que ça existe, là. Au Canada, c'est quand même assez récent. Okay. Au Québec, ça commence. On est toujours un petit peu en retrait, au Québec, malheureusement. Mais ça s'en vient. D'ailleurs, le CCC ou CKC ont commencé à faire des compétitions de travail au flair. C'est quoi le CKC? CKC, c'est Canine...
Canin. Si c'est plus canin canadien. C'est arrivé. Donc t'as l'équivalent américain, t'as l'équivalent en Angleterre, okay. Bon, dans tous les pays. Et le CCC offre maintenant des compétitions en détection. Ok. Ah, c'est bon savoir. Oui. Et au Canada, on a la SDDA, la Sporting Detection Dog Association. Ça a été fondé par des Ontariens qui sont très gentils. Ils ont francisé leur site. Une couple d'années. Ça, c'est génial. C'est vraiment sweet. C'est vraiment le fun en compétition. Et là, il y a des règlements. Donc, on utilise des huiles qui sont prescrites par chaque organisation. Ces huiles, c'est des huiles essentielles, en fait, qu'on cherche, qu'on fait chercher au chien. C'est avec ces huiles-là qu'on va travailler au chien. OK. Donc, quand moi, je donne des cours, ben j'utilise ces huiles-là. OK. Ces odeurs-là. Ouais, on ne fait pas chercher n'importe quoi. Non, là. Allez pas à la pharmacie et aller chercher n'importe quelle huile essentielle, puis je vais faire chercher ça à mon chien. Non, faites pas ça. Très mauvaise idée. Ouais. Puis de toute façon, c'est ça, quand on dit là, c'est des huiles essentielles très précises, là, c'est pas n'importe quelle odeur. Non, c'est ça. Ces huiles-là ont été étudiées et elles sont sécuritaires pour les chiens. OK. OK. Ouais. Donc, amenez pas. Puis il faut savoir que dans les huiles essentielles, en général, il y en a certaines peuvent être toxiques pour votre chien. Oui, et la fait. Plupart sont toxiques pour si vous avez un chat. Oui, toutes les huiles sont toxiques pour les chats. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, vous le savez. C'est ça. Alors, pas d'huile essentielle quand vous avez un chat. Non, c'est ça. Donc, moi, mon stock d'huile essentielle, mes échantillons puis mes bouteilles, c'est tout serré dans des contenants fermés où le chat n'a pas accès. OK. Lui, c'est moins pire parce que ce n'est pas nocif pour lui. Mais donc, c'est juste qu'il faut faire attention. Donc, c'est important que si jamais vous décidez de faire des compétitions ou de suivre un cours, tout ça, d'être au fait de ça, il y a juste des petits moyens de petites précautions à faire. Good. C'est quoi le reste de ta question? Le reste de ma question, ben c'est ça, c'est quoi de la détection de l'odeur? Fait que t'as commencé à nous expliquer ça. C'est fait ça. Que les gens, ils comprennent vraiment le principe de qu'est-ce qu'on fait là, quand on fait de la détection de l'odeur. C'est ça. Donc, on entraîne le chien à reconnaître une odeur. Ben, en fait, c'est trois odeurs, là, dépendamment des niveaux. Il y a des différents niveaux. Là. C'est toujours une progression de difficulté. Ouais. Là. C'est ouais, normal c'est ça. Dans le sport. Donc, on commence par une première odeur. Le chien doit trouver cette odeur-là dans un environnement donné, dans un espace donné, disons du 10 par 10. Là. On a une odeur qui est cachée. Le chien doit la chercher, la trouver. Une fois qu'il a trouvé, ben, il faut qu'il nous produise un comportement qui nous indique qu'il l'a trouvé. Qu'il l'a trouvé, OK. Soit souvent c'est un assis, un couche ou un fige. OK. Ça peut être d'autres choses aussi, là, mais... Un comportement clair qui dit... J'ai trouvé, c'est là. C'est et que pour toi, tu dis, oui, il a trouvé, c'est là. Et une fois que... Tu es sûr que le chien y est à l'odeur, ben là, tu dis alerte. Okay. Là, le juge, il dit oui ou non. OK. C'est un oui, t'as un cue. C'est un non, t'as un non de cue. OK. Donc, c'est en compétition. Ça, c'est en compétition. Ouais. Donc, en compétition, on ne compétitionne pas contre les autres chiens. C'est un peu comme au golf. Golf, les golfeurs font leur partie, puis ils jouent le mieux qu'ils peuvent, puis ils ne se préoccupent pas, peuvent pas jouer contre les autres golfeurs. Non, ils jouent comprends. Contre eux, dans le fond. Donc, en compétition canine, c'est la même chose. Donc, c'est des cues puis des non-cues. OK. Donc, ça enlève un peu de stress, je trouve. Ben oui. Pis c'est juste le fun de faire ça. Ouais, c'est vraiment pour le fun. Oui. Ben, il y en a qui prennent ça au sérieux. Ben, comme les sports d'agilité... C'est ça. Tous les sports canins, frisbee, il y a des gens qui prennent ça bien au sérieux, puis bon, c'est correct, c'est leur choix, là, mais personnellement, moi, je... Il faut que ce soit le fun pour le chien. Ben, c'est moi, essentiellement, c'est la raison pour laquelle que je fais ce sport-là, c'est parce que je sais que mon chien... C'est la première... La première priorité, ça se dit pas, mais c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, la génétique est là, mais il y a aussi un gros travail de ce qu'on voit pas peut-être, là, mais c'est aussi le travail de motivation de ton chien à chercher. Qui a le goût de chercher. Ça, c'est moins, c'est pas trop dans l'ADN. Okay. C'est moins dans l'ADN. Okay. Okay? Tous les chiens qui existent, peu importe la race, du pug au chihuahua, au papillon, au danois, sont en mesure de trouver cette odeur. OK. Tout en mesure de la trouver. Mais certains l'ont plus dans leur génétique, c'est ça que tu veux dire? Non, non. Ils ont tous ça. Tous ça dans leur génétique. Ils ont tout ça dans la génétique. Ce que je veux dire, c'est oui, il y a une différence entre les chiens. Il y a des chiens plus performants que d'autres dans la génétique. Par exemple, le berger allemand, ça a le nez long de même. Il y en a des cellules affectives dans ce nez-là. Plus que le petit pug qui était foiré. OK. Mais le petit pug qui a le nez foiré, ce qu'il y a dans le nombre de cellules affectives est encore au-dessus
de, je sais pas, faudrait voir là, les chiffres exacts, ouais. Là, mais il en reste encore. En masse. En masse pour réussir cette tâche-là. Okay. En masse. Encore 100 fois 1000, 100 000 fois plus que nous. Ouais, ouais, jusqu'à 100 000 fois. Okay? Okay. Mais comparativement à un berger allemand, effectivement, il y en a un peu moins de cellules. Okay. Non, mais c'est pas ça qui est vraiment important dans le fond en détection, c'est plus la volonté de chercher. OK. Ça, il y a certains chiens, ils l'ont, d'autres, ils ne l'ont pas. OK. Et c'est ça qu'il faut surtout travailler. Fait que là, on est dans, justement, on parle de cellules, là. Je suis sûre que la plupart des gens ne connaissent pas le fantastique odorat des chiens. Ouais. Tout le monde sait que les chiens sentent mieux que nous, puis on a un super odorat, mais je suis sûre que tu as des affaires à nous raconter. Oui. Je suis en train de suivre un cours en ligne, justement. OK. Il y a beaucoup, on voit beaucoup d'aspects, tant physiologique de l'odorat chez le chien. En fait, l'odorat du chien, là, c'est une machine. Leur nez est tellement efficace, leur odorat est tellement efficace qu'à ce jour, on n'est même pas capable de faire une machine aussi performante que l'odorat du chien. Oh my God, OK. Okay? Parce qu'on cherche encore à comprendre tout le mécanisme de discrimination d'odeur chez le chien. Comme renifler chez le chien. OK. Il renifle comme ça. Et il expire par le côté. OK. C'est pour ça que le nez est fait comme ça, puis qu'il y a de l'ouverture sur le côté. Oui. Fait qu'il va expirer comme ça. OK. OK. Il va respirer du côté droit, telles odeurs. Du côté gauche, telle odeur. OK. Puis je sais que c'est un flux continu. C'est ce que j'ai compris. Ouais, donc, s'il renifle par la narine droite, il va activer le cortex cérébral droit. OK. S'il renifle gauche, cortex cérébral gauche. OK. Ça, on sait ça. En tout cas, c'est fascinant de voir comment est-ce que c'est une complexité, l'odorat. On ne sait pas encore, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils sont si efficaces. Pourquoi ils sont si efficaces que ça? On est encore en train de chercher. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de petits organes à l'intérieur. Les neurones, les cellules, l'épithélium. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que l'odorat chez le chien, c'est comme la vision pour nous. OK. Quand moi, tu rentres dans une pièce, tu regardes. Tu regardes, tu écoutes, tu sais, puis bon. Le chien, lui, il sent. Okay. Dès que tu sors la porte avec ton chien, qu'est-ce qu'il fait ton chien? Mon chien fait ça. Ouais, soit il va se fier là, ou soit au sol, c'est une odeur plus persistante au sol. Okay? Donc là, c'est ça. Donc les chiens prennent connaissance de leur environnement par le flair. Okay. C'est par le flair aussi qu'ils vont reconnaître ce qui se passe alentour de lui. Ok. Tu sais, comme je pense souvent des enfants qui écoutent toujours le même film. Oui. Je regardais mes neveux, moi, puis là, c'était Aladdin. Puis quand c'est qu'on écoute Aladdin? Trois heures après le souper, qu'est-ce qu'on écoute Aladdin? Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on écoute Aladdin? Merde, ça fait trois fois. Vous avez des enfants, ça vous parle. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Ouais. Parce qu'ils connaissent le film. Ils connaissent le scénario, puis ils connaissent même les dialogues. Okay. Ils vont même répéter les dialogues de certains personnages parce qu'ils les ont appris par cœur. C'est réconfortant. Ils savent ce qui va se passer. Ils connaissent le futur. OK, c'est intéressant. Mais ça, au niveau du chien, c'est exactement la même chose. Okay. Quand ton chien sort de chez toi, la première odeur qu'il sent, là, c'est celle-là qu'il cherche. OK. C'est l'odeur connue. Ah, odeur connue. Oui. OK. Parce qu'il l'a senti dans ton environnement. C'est ça, puis que c'est présent. Je vais te donner une histoire. C'est une histoire que j'invente, là, mais juste pour imaginer ce que je veux dire. Grugeau sort dehors, premier spot, c'est un petit brin d'herbe, il va sentir. Là, d'après lui... Ah, c'est Chloé, la petite labrador brune du coin de la rue, elle est venue faire un pipi ici le matin. OK. Ah, puis en passant, Chloé, ben oui, elle a une petite infection de vessie, hein, puis il continue son affaire. OK. Il va aller sentir une autre chose. Ah, la fichue marmotte est encore passée ici, la maudite, j'avais dit de ne pas revenir, ici la marmotte est là. Puis là, ça c'est Gaétan avec son aqua, je ne sais pas trop quoi, comment ça s'appelle ça, l'après-rasage. J'ai dit résidu de l'après-rasage. Là, il sait que c'est Gaétan qui utilise ça. Alors, tu vois-tu? C'est dingue. Puis il sait probablement, fait combien de temps que chacun est passé. Oui, oui. Puis dans quel sens ils vont. Oui, absolument. Absolument. Donc, quand chaque fois qu'il sort, il revient à chaque jour. Si je le fais à chaque jour, il va aller toujours à la même place, toujours à la même place. Okay? Puis lui aussi, il va laisser des petits messages en passant. Ben, c'est sûr. Des petits courriels. Oui, et Grugeau adore communiquer. OK. Il laisse de
nombreux messages. Là, il y a bien des amis. Moi, je suis imaginaire parce que je ne les ai jamais vus. Okay. Mais, donc, tout ça fait que le chien se reconnaît dans cet environnement-là. OK, je suis chez moi, c'est ça. Puis là, je suis bien dans cet environnement-là. Okay. Et c'est réconfortant. C'est réconfortant. Okay. Renifler pour un chien, c'est apaisant. OK, oui. C'est pour ça que des fois, ils sont stressés, ils sentent à terre. Le fait de renifler va dégager la dopamine. Mm. La belle petite hormone de plaisir, puis de bonne satisfaction. Puis ça, on en veut la dopamine chez un chien. Oui, mais hein. On en veut. Donc, c'est pour ça que tous les chiens ont cette capacité-là de... Peu importe ce qu'ils vont renifler, ça va leur apporter, c'est apaisant, puis c'est aussi, ça fait du bien carrément. Donc, empêcher son chien de renifler pendant les marches, là, c'est la pire chose que vous pouvez faire à votre chien. C'est sûr. Honnêtement, là. C'est le plaisir de la marche, c'est de renifler. Hein. Ben, c'est le plaisir de sa vie. Le chien, il renifle, après ça, il marche. C'est ça. Donc, si, en plus, si vous le laissez renifler comme il veut pendant votre marche, si vous êtes allé marcher une demi-heure, c'est comme s'il avait marché une heure et demie. Okay, donc, il va revenir deux fois plus fatigué. Parce que, imaginez tout ce souvenir. Parce qu'il n'y a pas juste l'odorat du chien, il y a la mémoire olfactive qui est rattachée à l'odorat. C'est le travail dans le cerveau. Il s'en souvient. Okay. L'odeur de Chloé sur la petite branchaille, là, il sait exactement où est-ce qu'elle est, la branchaille, où est-ce que la brésil où il y a l'odeur de Chloé, là, il sait très très bien où est-ce que c'est. Puis il s'en souvient. Il s'en souvient très bien. Donc, il y a une mémoire olfactive qui est activée aussi. Donc, au niveau cognitif, c'est un bijou, l'odorat. Oui, je comprends. Ça serait bien, bien bête de s'en passer. C'est sûr que regarder un chien renifler, c'est pas tellement spectaculaire. Parce que nous, on travaille dans l'invisible. Oui, c'est ça. Pour nous, les odeurs sont pratiquement invisibles. C'est ça. Alors, on travaille dans l'invisible. Mais si on pouvait mettre... imager, là. Oui, imager les odeurs. C'est ça, donc j'ai des cours sur le comportement des odeurs. C'est fascinant. Là. Ils mettent une espèce de baguette avec un couvercle, avec un trou, puis ils mettent une espèce de glace sèche avec une couleur. Okay. Puis ils mettent ça en plein milieu d'une pièce où les fenêtres sont fermées, tout est fermé, puis tu vois comment les odeurs. Ah, comment ça se diffuse. Comment ça se diffuse, puis comment est-ce que le chien s'y rend, où il va percevoir l'odeur. OK. Parce qu'ils vivent dans un monde d'odeurs que nous, on ne connaît pas. Non, ben c'est un monde invisible. C'est ça. Okay. Nous, ce qu'on sait, bon, c'est... quand je parlais de mémoire olfactive, c'est la même chose pour nous, là. Oui, moi, l'odeur du pain qui cuit, ça me ramène à mes années d'enfance, quand je revenais de l'école pour dîner, parce que notre école n'était pas loin. On pouvait aller dîner à la maison, puis ma mère, quand elle nous faisait du pain, maison, on arrivait dans la maison, tu ouvrais la porte, la grosse odeur de pain. C'est ça. C'est ça que ça me ramène quand je sens du pain. Ben, c'est ça, ça te ramène exactement à ce souvenir-là. Tu sais, du Kraft Dinner, là. Bon, j'en mange presque plus, mais de temps en temps, j'aime bien ça, une crêpe de neuf. Pourquoi? Parce que ça me ramène à une époque aussi où à la maison, on mangeait du crêpe de neuf. Ta mère n'était pas là, elle a dit, vous ferez une crêpe de neuf. Puis oui, ça te ramène toutes les émotions de l'époque. C'était gros, là, c'était bon, c'était un gros délice, manger du crêpe de neuf. Eh oui, à l'époque. C'est ça, ben oui. Donc, c'est la mémoire olfactive aussi, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça aussi que ça vient travailler. Le chien, c'est la même affaire. C'est encore plus puissant pour eux. C'est incroyable, la mémoire qu'ils peuvent. Ça les aide à la développer aussi. OK, ouais, ça leur aide à leur équilibre, c'est ça que tu veux dire? Oui. Aussi, leur équilibre total dans leur vie, là. Oui, de tous les jours. Donc, c'est ça. Donc, il faut laisser renifler les chiens pendant la promenade. Oui. C'est ça. Oui. Puis là, ben, ça m'amène à une question. Mettons que. Une question parce que c'est mon chien aussi là, qui est réactif puis anxieux. Ça veut dire que si je change, pour certains chiens, si je change de rituel de promenade, là, il y a plein de nouvelles odeurs. Ben oui. Puis là, il est plus anxieux. Moins anxieux. Il va devenir moins anxieux parce qu'il va. OK, je pensais qu'il fallait le laisser dans l'ordre. Non. OK. Non, ben, je suis contente que tu aies posé la question et peut-être d'autres gens qui ont pensé comme toi. Sûrement. Okay. Non. Plus on va développer sa curiosité, les chiens de nature, ils sont curieux à aller voir. C'est quoi ça? Oui. De nature. Même un chien peureux, Oui, oui, oui. Okay? Il va aller voir. Ouais. Donc, ça va justement sécuriser si tu l'amènes. Puis des nouveautés pour un chien, même s'il est anxieux, tout ça, mais point de vue de l'odorat, on n'est pas...
On n'est pas là. OK, OK. C'est le contraire. C'est, bon, c'est le contraire qui va se produire. OK. Okay? Ah, c'est bon. Tu sais, des gens dans mon cours qui me disent « Ah, mais là, je vais renifler mon chien va renifler tout le temps. » Je regarde, je dis « Ben oui. » Ben oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est bon. C'est bon pour lui. C'est bon. C'est ça. C'est oui, exact. Oui. C'est bon. OK. OK. Oui. C'est, si, justement, il renifle encore plus, une fois que tu commences à laisser renifler, puis il renifle de plus en plus, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que tu vois, ça marche. C'est efficace. C'est okay. bon. Moi, honnêtement, je fais 1h30 de marche avec lui, puis ça marche. Ouais. Moi, j'ai pas de destination. Non. Okay? Tu... Moi, je gère 22h30 dans la journée, sur 24. Je peux-tu y laisser une petite heure et demie? Ou lui, il va aller snapper ce qu'il tente. Tu sais, moi, je suis une mauvaise éducatrice canine parce que j'utilise une laisse rétractable. Ah, mon Dieu Seigneur! Devil, le démon! Mais, tu sais, je la gère, ma laisse. Donc, ce qui fait que lui, je le promène, là, j'ai un sentier parc nature ici, là, dans le sentier. Fait que s'il va à gauche, il va à gauche, il va aller à droite, il va aller à droite. Puis, bravo, okay. Il sent ça. Puis là, j'attends. Moi, je suis là à côté, puis j'attends. Puis là, il sent son oui. attente. Puis il sent ben son oui. attente. Ben oui. Puis quand c'est fini, on repart. 1h30 de temps. Fait que j'ai peut-être fait 2 km de marche. J'ai pas fait grand-chose. Mais là, si mais, ça marche à lui. Si ça marche à lui. Mais moi, je reviens, puis bang, 10 minutes après, il dort. Il ronfle. C'est ça. Okay. Il y a 3 ans. C'est ça. Bon. Une heure après, il est comme réveillé. Il est prêt à partir parce que c'est un jeune chien, mais c'est une dépense d'énergie ouais. là, extraordinaire. Oui, c'est ça. Ça, c'était une de mes questions. Finalement, le en plus, Dora, c'est une dépense d'énergie. C'est excessivement exigeant. En compétition, un peu plus que quand c'est du reniflage de, j'appelle ça, de basic, de base, là, de naturel, là, où ils vont, ils reniflent, mais... C'est pas la même chose que quand on entraîne à chercher une odeur. Oui, ça n'a rien à voir. Ça, on en parlait tantôt. Okay. Ouais. Ben oui. Je vais attendre tantôt. Fait que là, je voulais te demander, mettons là, que monsieur, madame, tout le monde voudrait faire de la détection d'odeur, mais ne veut pas faire de la compétition. Mm-hmm. Fait que c'est quoi les possibilités? OK, ben il y en a plusieurs. OK. Non, c'est vrai que c'est pas nécessaire de faire de la compétition. D'abord, peut-être que tu as un chien qui ne performerait pas bien en compétition parce que soit qu'il est trop réactif, trop anxieux ou trop heureux. Ouais, OK. Fait qu'on ne veut pas mettre le chien en état de stress certainement avant de compétitionner. Fait que ça ne serait pas une bonne idée. Des fois, ben il faut en faire de la compétition, voir si notre chien, comment il réagit. Comment il se comporte. Si on le voit en compétition et que si ça ne va pas bien, ben on n'y retourne pas et on l'essaye de la tête. Si on ne veut pas faire de compétition, c'est bien correct qu'on peut s'amuser tout autant avec notre chien. OK. Parce que toute odeur s'entraîne. OK. Donc, tout ce qui a une odeur, tu peux l'entraîner. Fait que t'es quasiment pas obligé d'aller de suivre des ben, peut-être un petit atelier pour savoir comment ça fonctionne. Oui, pour juste savoir les bases, la fondation, ça va aider la personne, au moins, comment démarrer. Mais après ça, là, c'est comme elle est finie, là. T'as perdu ta manette de TV, t'as perdu tes clés. Tu cherches ton chien, t'as perdu ton argent, tu cherches tes maudits tunnels. Tu cherches tes maudits tunnels, en autant que ton chien, quand il est trop, il ne mange pas. Mais tous ces items-là, dans le fond, c'est ton odeur à toi. Oui, OK. Et c'est, le chien va être entraîné à trouver ton odeur à toi. OK. Donc après ça, c'est juste à mettre le mot sur « cherche manette »,« cherche lunettes »,« cherche okay. clé », puis bingo. Okay. Donc, ça se fait à la maison. Ben oui. Si tu veux travailler des odeurs, tu peux travailler des odeurs de la tisane, du thé, du café à la limite. OK. OK. C'est la même chose. Tu n'es pas obligé de travailler avec des huiles essentielles. C'est juste que des huiles essentielles, c'est plus facile. Puis si tu veux faire de la compétition, ton chien connaît déjà les huiles essentielles. Mais c'est peut-être plus facile au début pour le chien parce que c'est vraiment spécifique comme odeur, puis après ça, tu... Non, pas aucune... Je t'ai peut-être. Oui, mais c'est correct. Mais c'est ça, c'est que les gens, des fois, ils vont commencer tout seuls, puis ça va bien, puis à un moment donné, ils frappent un peu. Ah, OK. Parce qu'il y a des notions de base qu'ils n'ont pas assimilées. Okay. Parce qu'il y a des étapes importantes, puis avant de procéder pour progresser, ben il faut que le chien maîtrise certaines étapes. C'est ça. Parce que si vous continuez, puis votre chien est so-so, il ne sait pas trop ce qu'il cherche, là, vous allez cacher ça super loin, super compliqué. Puis là, votre chien, ça fait 5 minutes, 10 minutes. C'est beaucoup trop long, vous allez démotiver votre chien. Oui, c'est ça. Votre chien ne voudra plus jamais rien chercher pour vous après. Il faut que vous soyez dans le succès. Oui, parce que le problème avec les chiens, c'est que c'est difficile à motiver un chien. Mm-hmm. C'est très facile à démotiver. Les chiens se démotivent très rapidement. Après ça, ben là, s'il faut retravailler la motivation, c'est plus difficile. C'est pour ça que je dis des notions de base
Ça va juste vous aider, vous encadrer pour démarrer. Une fois que votre chien a compris le jeu, OK? Moi, quand je dis « cherche à mon chien », là, il part. Puis il n'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé. La patente, Puis c'est pas nécessairement toujours la même odeur qu'il va chercher. C'est pas toujours le même environnement, mais il sait « cherche ». C'est quoi? Ouais. Puis il part, puis il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé. OK. Mais ça, ça s'est traduit. Qu'il cherche. Si tu as un chien qui ne sait pas trop ce qu'il cherche, puis tu lui demandes vraiment de chercher dans un milieu plus difficile où il y a plein de distractions, tu vas le perdre au début. C'est pour ça, vraiment, c'est ça qu'on apprend dans les cours, dans le fond, c'est de mettre votre chien. Comment vraiment l'accompagner pour qu'il reste motivé puis qu'il soit dans le succès. Parce qu'au point de vue du fleur, votre chien est capable de trouver tous ces éléments-là, puis n'importe quel chien. C'est la volonté de chercher qui est... C'est ça qu'il faut travailler. C'est ça. Puis finalement, un chien démotivé, c'est comme un humain démotivé. Là. Si tu parles tout le temps, tu n'as plus le goût de le faire. Non. Ben, tape ton jeu, ça me tente pas de jouer. C'est ça. J'ai pas d'intérêt à jouer ton jeu, moi. Puis toi, t'en donnes des ateliers, là, un petit peu partout maintenant. Là. Oui. Oui. T'as des cours en ligne. Mais on va tout mettre ça à la fin de l'entrevue, là, comme d'habitude. Toutes les infos sur Anne-Marie, vous la trouvez, vous voulez savoir. Fait que là, on fait une petite pause parce qu'on en entend un là, qui va aller dehors. Ouais, on va aller sortir. C'est ça. Bon, là, Monsieur Grugeot est allé faire sa petite sortie, fait qu'on va reprendre notre entrevue. Mais je pense qu'on avait pas mal fini. On parlait des possibilités pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Qui veulent pas faire de la compétition. Mais ben là, on va parler de la compétition. Si jamais ça intéresse les gens. Oui. Ah, mais je voulais juste ajouter. Oui. En fait, si vous faites pas de compétition, c'est correct, c'est bien parfait. Mais faites-en la détection d'odeur chez vous. Faites-en chez vous, OK. Pour tous les bénéfices qu'on a parlé, des bénéfices qu'on a parlé tantôt, juste pour ça, si vous avez un chien peureux, un chien anxieux, un chien qui est réactif, faire la détection d'odeur pour ces chiens-là, là, c'est comme une thérapie. OK. Écoute, ça, tu m'apprends vraiment, ça. Hein? C'est vraiment, là, ça va jusqu'à ce point-là. Autrement dit, ça augmente leur confiance en soi. Oui. On peut dire ça. Oui. Puis finalement, ça baisse le stress. Oui. Entre autres. Oui. Okay. Oui, parce qu'ils vont produire. Quand tu produis de la dopamine, tu ne peux pas produire du cortisol, qui est l'hormone de stress. C'est ça. Okay. OK. C'est incompatible. Oui, c'est ça. Donc. Oui. Puis la dopamine, on en veut. Mon Dieu, c'est ça qu'on veut chez pas nos trop, chiens. Mais tout est dans le dosage quand même. Là, parce que faut savoir le temps d'être content, c'est pas mieux. Les gens qui sont dépressifs, là, ils sont pas capables de produire de la dopamine. Ils ont une baisse de dopamine. Wow. Ça, c'est connu. Oui. Okay. Ça, c'est connu. Okay? Ouais. Même, grosse parenthèse, le premier signe de la maladie de Parkinson, c'est la perte d'odorat. Ah oui, chez le chien? Je ne sais pas si les chiens causent Parkinson, comme l'Alzheimer, c'est pareil. C'est vrai, bon, la perte d'odorat. Les maladies, bon, je appelle ça des démences, dans les types de démences, là, Parkinson, Alzheimer. Un des premiers symptômes, c'est la perte d'odorat. OK. Donc, la perte d'odorat est reliée avec la production de dopamine. Okay. Entre autres, c'est juste... Donc, c'est pour dire comment est-ce que l'odorat chez le chien, il y a non-absent tout ça, là. Donc, l'odorat chez le chien, ça a probablement les mêmes effets, là, et même plus amplifié, parce qu'ils ont un odorat comme 100 000 fois plus puissant que le nôtre. Ouais, c'est ça. Donc, des impacts là-dessus, c'est sûr qu'il y en a. Ouais. Donc, même si vous ne faites pas de compétition, faites juste faire chercher les croquettes dans le fond de votre chien, déjà là, vous allez augmenter son niveau de confiance à votre chien. Oui, autrement dit, faire travailler son nez. C'est ça. Travailler son nez. Oui. Mm. Ouais. Good. Voilà, t'as ma parenthèse. Parfait. T'as ma parenthèse. Oui. Donc, ton autre question, c'était si on veut faire du sport. Si on veut faire du sport, si on veut participer à des compétitions, est-ce qu'il faut être vraiment bon? Comment ça se passe? Au Canada, il y a deux organisations, à ma connaissance, qui font la promotion du sport de détection de travail au flair. Si c'est le Club Canin Canadien, CCC, ou CKC. Comme on disait tantôt, OK. Et la SDDA, Sporting Detection Dog Association. C'est eux qui vont les juges, qui vont aller dans les centres canins. Ils s'affilient toujours avec des centres canins pour avoir les endroits. C'est pour ça que c'est important. C'est bon d'avoir des cours de base pour voir si votre chien est assez motivé pour chercher une odeur. OK. Puis aussi pour l'indication. L'indication, c'est le dernier comportement. C'est le dernier comportement qui demande que le chien a trouvé son odeur. C'est ça.
Et donc, les sports, on va avoir le sport de détection d'odeur, qui est chercher une odeur. Tu vas avoir le sport de pistage aussi. Ouais. Ça, c'est tout le travail aux fleurs. Les sports des compétitions en pistage. Tu vas avoir des compétitions de discrimination d'odeur d'une manière, de ton odeur à toi, comme je disais tantôt. Ouais. Il y en a aussi ici. Il y a aussi, c'est nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. En ce cas, c'est encore nouveau au Québec. Sport, tous les sports ratiers. Ah oui, alors, c'est ça, vrai. J'en ai pas parlé. Ça, c'est vraiment, c'est le seul sport dans cette catégorie-là où vraiment il n'y a pas d'initiation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il y a un apprentissage pour le chien, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Moi, des cours de base. Ben, c'est plutôt des ateliers. Non, il n'y a pas vraiment de cours parce que le sport ratier, on fait appel à l'instinct. C'est l'instinct du chien. Du chien. Il l'a ou il l'a pas. Oui. Mais ça, s'il l'a pas, mais même dans le cas où le chien n'en a pas, ça se travaille. Ah, OK. Ça se travaille par des ateliers. On peut amener le chien à le motiver. Okay. À chercher le rat. Ah, moi, je serais bien. C'est moi qui fais le parenthèse. Je serais bien curieuse parce que mon chien, qui est un chien extraordinaire de chasse, qui a un odorat. Mais quand j'attrape des souris, si elle est dans la cage, ça ne l'intéresse pas partout. Ouais. Et ça lui fait rien. Il faut que ça bouge. Ah, il faut que ça soit la croix. Effectivement, moi, j'ai commencé le sport ratier avec Grugeau cette année. OK. Et on est, écoute, on a 100% là. OK. Il faut dire que c'est un sport ratier. Oui, il faudrait s'expliquer. On va l'expliquer. Sport ratier, c'est... dans un espace donné, je pense que c'est du 10 par 10, donc 100 pieds carrés. On va dire 100 pieds carrés, c'est pas très grand. On met des buts. Oui, on met des buts de foin. Il y a des buts de foin. Il y a un rat de cachet, un vrai rat. Oui, un rat des rats d'élevage. Oui. Exprès. Pour cette activité-là. Ils ne sont pas maltraités, ils ne sont pas stressés. Ces rats-là adorent être dans les tubes. Ils sont dans des gros tubes en PVC où il y a plein de trous, il y a des bouchons au bout. Le chien n'a jamais accès au rat. Non, c'est ça. Okay. L'idée, ce n'est pas d'attraper le rat et de tuer le rat. Là. Pas du tout. C'est très éthique. Oui. C'est de trouver le rat. C'est ça. L'idée, c'est que le chien. Donc, on se prépare, on a une petite boîte de départ, on est dans le 100 pieds carrés, 100 mètres. 100 pieds carrés? Ouais, ben... 100 pieds carrés. 10 pieds carrés. C'est 10 par 10. Oui. 10 par 10. En tout cas, je pense qu'on le multiplie par 100. C'est pas très grand. Tu vois, il y a un petit espace. C'est petit. Puis là, t'es seul avec ton chien, puis là, t'es chronométré, fait que t'as un temps limite. Okay. Je pense que c'est 1 minute et demie, si je ne me trompe pas. Ah oui, OK. T'as 1 minute et demie pour que ton chien trouve. Donc, je crois que les 60 premières secondes, tu laisses ton chien partir. Okay. Tu lui donnes ta commande, trouve la bibitte. Fais la bibitte, tu l'excites un petit peu pour l'activer, pour ceux qui en ont besoin. Et puis, tu lui dis go, puis le chien, il part. Puis toi, tu fais rien. Donc, ce que je voulais dire en apprentissage, c'est que toi, le manieur, t'as pas grand-chose à faire. Non. Hein, c'est le chien qui va faire la job. Okay. Fait que le chien, normalement, il part, il va aller sentir, puis il devrait aller chercher. Quand il trouve le rat, ben là, on le voit, il peut se mettre à gratter puis vouloir aller ou japper, ou il peut faire toutes sortes de comportements, ce qui fait qu'on sait qu'il a trouvé le rat. Une fois qu'il a trouvé le rat, on lève la main, on dit rat. Puis c'est comme en détection d'odeur, c'est cue ou non-cue. OK. Donc, il a trouvé ou il n'a pas trouvé. Okay. Ça, les chiens, là, ils adorent ça. Ça, on voit toutes sortes. Moi, je commence, ça fait juste un an, là, j'ai vu des boxers. Bon, évidemment, des Jack Russell, des Doberman, Pitbull. Là, c'est toutes races confondues. Vous n'avez pas d'obligation d'avoir un chien de race. De chasse. En détection de l'odeur non plus, dépendamment de l'organisation. Mais bref, c'est vraiment pour ça. C'est ouvert à tout le monde. Alors, on fait vraiment appel à l'instinct de chasse du chien. Il y a des chiens qui ont ça plus profondément. C'est ça. T'sais, moi, avec Grugeau, je me réalisais qu'il n'y a pas un instinct de chasse très, très élevé. OK. Lui, il est plutôt curieux. OK. Et il fait beaucoup de marquages. Fait qu'il marque les buts, tu sais. Là, à un moment donné, il dit, ah, oui, je pense qu'il y a un rat ici. Ah, oui, il y a un rat ici. Puis là, bon, on a réussi comme ça, mais c'est pas, il n'est pas tellement expressif. Bon, lui, il a besoin d'être un petit peu... C'est pas... Oh, je vais le trouver. Non, mais il y a des méthodes pour motiver notre chien, pour l'exciter un petit peu. Il y a des méthodes qui sont
méthode très respectueuse. Oui, oui, bien sûr. On reste toujours dans l'éthique, évidemment. Là. Et puis, c'est vraiment un pur plaisir. Votre chien, là, la plupart des chiens qui sont dans les arènes, comme ça, sur l'arène, là, ils sont pas tellement excités. Parce que là, on fait appel à vraiment leur instinct. Oui, oui. Alors, il n'y a pas de manipulation de la part du manieur. Là. Ouais. On laisse partir le chien. Oui. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que le chien, il n'a pas l'occasion beaucoup de faire ça dans la nature. Mais non. Fait que là, il donne l'occasion de faire oui. de pratiquer c'est... son instinct. Oui, bien. Tout comme parce que c'est quand même aussi un travail d'odorat, là. Oui, c'est ça. L'odorat, parce qu'ils sont cachés, les rats, là. Ils sont pas visibles. Oui, ils sont dans le foin. Il y a différents niveaux. Tu sais, novice, intermédiaire, avancé, okay. bon, master, je sais pas trop. Donc, là, il y a plus de bottes de foin, il y a plus de tubes sans rat. Il y a des tubes avec de la litière de rat comme une distraction. OK. Ah oui, OK. Oh my God, c'est... Oui, puis c'est vraiment, c'est des gens qui aiment leur... Tu vois les gens qui aiment leur chien, ouais, là. Ouais. C'est de toute beauté. Moi, j'avais vu un boxeur, c'était tellement drôle, il faisait comme le renard quand il chasse, là. Ah oui? Il faisait... Il était direct sur le rat. C'était tellement drôle. Un gros boxeur, tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est un autre sport qui fait appel au flair du chien. OK. Qu'on peut pratiquer... Ouais, donc, on était en train de parler des différents sports en compétition. C'est ça. Moi, c'est sûr que moi, je suis plus spécialisée. Je pratique plus la détection d'odeurs dans les organisations que j'ai nommées tantôt. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et à chaque niveau, il y a 3 catégories. OK. Donc, tu as une recherche dans les boîtes. J'ai à peu près entre 12 et 15 boîtes. Mon odeur est cachée dans une des 12. OK. Les 12 à 15 boîtes. OK. Et je dois trouver où est l'odeur et le chien doit m'indiquer dans quelle boîte se trouve l'odeur. Okay. Évidemment, je ne sais pas où est l'odeur et le chien non plus. OK. C'est du travail à l'aveugle. OK. Okay. C'est là le défi. Oui. La deuxième catégorie, c'est recherche d'odeur dans une pièce. Donc, on a une petite pièce, ça peut être n'importe quelle pièce, où là, il va y avoir des tables, une chaise, okay. il y a des objets là, communs, n'importe quoi. Puis l'odeur, elle est cachée parmi ces objets-là. OK. Donc, là, il n'y a plus de boîte. OK. La même chose, je ne sais pas où est-ce qu'il y a l'odeur, puis mon chien non plus. C'est ça. Et il y a une troisième catégorie, c'est une recherche de véhicules. OK. Donc, on s'en va à l'extérieur, puis ils vont cacher, il peut y avoir 1, 2 ou 3 véhicules, dépendamment du niveau, là. Et il y a une odeur qui est cachée. OK. Pas à l'intérieur du véhicule, dans les parois, là. Ah oui, OK. Ça, il y a des règles, là, qui sont définies, là, à quel endroit elle peut être l'odeur. OK. Et c'est la même chose, toujours la même chose, il doit chercher, trouver et indiquer qu'il a trouvé l'odeur. OK. Fait que c'est des défis comme ça. Et tu progresse de niveau en niveau, ce qui fait qu'à un moment donné, ils rajoutent des distractions, soit de la nourriture, des jouets parmi le site de recherche, donc ton chien doit ignorer les distractions. Ignorer les distractions. Moi, je suis rendue là avec Grujo. Okay. Il n'est pas encore très, très bon à ignorer les distractions. Mais ça veut dire que tu peux, même si tu n'es pas un entraîneur, un manieur, whatever, tu peux aller faire des compétitions novice. Ça veut dire n'importe qui peut aller se tester en compétition, puis c'est le fun. Oui, mais assure-toi au moins que ton chien connaisse une des odeurs, parce que tu risques de Moins que ton chien connaisse une des odeurs. Puis si tu penses que t'es prêt, allez-y, c'est faut l'essayer. Là. Il y a plein de gens qui essayent, puis c'est pas tous les chiens qui réussissent dès le départ, là, les compétitions. Là, ben non! Puis c'est fun, ça nous met aussi dans c'est quoi les compétitions. Puis on aime ça, là, ça se peut que vous n'aimiez pas ça, la compétition, ben vous en faites plus. C'est ça. Moi, j'aime ça, mais c'est pour... j'aime plus m'entraîner avec lui. Puis ce que j'aime le plus en compétition, c'est qu'on est seul avec notre chien. Puis c'est vraiment un travail de communication. C'est là qu'on voit tout le travail de communication qu'il y a entre toi puis ton chien et toi. C'est là la beauté de la chose. Okay. C'est ça qu'on apprend aussi dans les cours, comment se fait la communication. Ouais, okay. Et comment les chiens sont bons, sont tellement bons à nous décoder. Oh. Et nous, on est si mauvais à les décoder. Alors, tout notre travail de détection, là, c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'obtenir une communication efficace avec son, avec son chien. OK. Ouais, des deux côtés. Pas, j'en doute pas. Oui, Juste des deux côtés. Donc, apprendre les modifications de comportement quand le chien est à l'odeur. Quand le chien perçoit l'odeur, je sais quand moi, mon chien perçoit l'odeur. Il l'a senti, je sais. Ouais, je commence à lire son chien. Mais ça, il faut avoir fait des pratiques, ben faut oui, avoir observé son chien, tout ça. C'est ça qu'on apprend dans les cours, c'est comment aussi lire notre chien. Comment voir les comportements qui sont observables aussi, qui nous disent, ben là, finalement, je pense qu'il est en train de renifler une distraction. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu sais savoir que ton chien est en train de renifler une distraction ou s'il n'est pas à l'odeur? Ben, il n'agit pas de la même façon. C'est ça. Il y a quelque chose qui est différent. OK.
Intéressant. Puis le travail, mais c'est justement c'est de savoir, c'est ça. Donc, ça. Le travail du manieur en détection il est super important. Puis d'un autre côté, il faut qu'il soit le plus possible discret par rapport au chien. OK. Parce que le chien, lui, il sait qu'on est là, puis il nous lit tout le temps. Il nous lit tout le temps. Fait que oui, tu peux quasiment y donner la réponse juste avec ton corps. C'est ce que tu veux dire? Oui. Oui. Oui, si tu le sais, ce qu'est l'odeur. Là. Ah ouais. Oui, oh, tout oui. à fait. Oui, juste oui, par ton oui. mouvement. Juste par j'en ton mouvement, tu donnes des cues à ton chien qui sont des mauvais cues. et puis, le chien, ouais. ben si ça fait X temps qu'il cherche, OK, puis il trouve pas, ou il n'est pas à la bonne place, je sais pas trop quoi, ben, il va te regarder, il va te regarder. Là, regarde plus à droite, moi. Je vais aller à droite, moi. Puis là, il s'en va à droite, puis devant, elle se penche, elle fait ça, ben, je vais m'asseoir. Si c'est son assis, l'indication, ben, il va s'asseoir. Puis là, toi, tu dis, OK, alerte au juge. Puis là, le juge, tu regardes, il dit non. Ah oui, là, OK. Tu dis, ben voyons, il s'est assis, il est à... Ben, c'est ça. Ça, on appelle ça, dans le jargon, une belle fausse alerte. Une belle fausse alerte. Une belle fausse alerte. Le chien a été influencé par le manieur. Oui. Bien involontairement, ouais. Mais tu sauras que dans le milieu policier, dans les techniques policières, les chiens et renifleurs, ouais. il y a un taux effarant de fausses alertes chez ces chiens-là. Okay. Et ce qui est mis en cause aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'études qui se font, ce qui est mis en cause aujourd'hui, entre autres, c'est les mauvais cues des manières et aussi la pression du manieur. OK. Que le chien ressent. Parce qu'il faut qu'il trouve, puis l'autre, il s'y ouais. OK. Oui, il est stressé. Ouais. C'est ce qui ressort de ces études-là, entre autres. C'est vraiment intéressant. Puis là, des compétitions, on peut s'en faire au Québec? Oui, il y en a au Québec, par la SDDA, par le CCC. Ils les annoncent sur leur site respectif. Okay. Mais normalement, CCC, c'est un peu plus compliqué. Votre chien doit être enregistré ou avoir un tel numéro, quoi. Un peu compliqué, mais cherchez, puis vous allez finir par avoir vos réponses. SDDA, c'est plus simple. Vous avez juste à enregistrer votre chien, puis vous enregistrez vous. Puis attendre les dates, puis regarder c'est où. Bien, ce qui est pas de la SDDA, c'est qu'une fois que tu as enregistré ton chien, auprès de la SDDA, comme chien renifleur, tu veux faire de la compétition avec ton chien, tu reçois par courriel les compétitions à venir avant l'ouverture des inscriptions. Parce que laisse-moi te dire que toutes les compétitions de détection d'odeur qui se font, ça prend preneur excessivement. Ah oui, vite. C'est schling, tout le monde, ouais. C'est complet. Ouais. OK. Ouais. Donc, en recevant, nous, comme parce qu'on est enregistré, on les reçoit avant que ça soit mis public. Okay. Souvent, la journée que c'est mis public, il n'y a même plus de place. Ah oui, ah, c'est tout le monde s'est là, moi, je suis déjà inscrite pour une compétition CCC le 2 mai. OK. Je suis déjà inscrite. Ouais. Parce que dès que j'ai vu l'annonce, je me suis dépêchée. Ouais, parce qu'il n'y en a pas souvent. Le problème au Québec, c'est qu'on n'a pas. Il n'y a pas beaucoup de centres canins qui proposent des compétitions. Okay. Mais ça s'en vient, là. Il va en avoir de plus en plus. Puis là, ouais. T'es-tu capable de me dire s'il y en a pas mal en France? J'ai bien du monde qui le regarde. Ouais, en France, j'ai une collègue en France, donc j'oublie son nom, mais c'est Nosework France. Nosework France, bien sûr. Oui, je sais qu'elle là-dedans, là, elle doit faire comme l'équivalent de moi. Ça ressemble à ça. Là. On s'en va souvent nos vidéos d'entraînement. Puis, bon, good. Fait que pour mes Français qui m'écoutent, là, oui, ben, Nosework France, si ça vous intéresse. Ils sont sur Facebook. Donc, tapez Nosework France sur Facebook, vous allez la trouver. OK. Hey, c'est super intéressant. On en reparlera encore pendant des heures. Oui. Mais là, maintenant, on va faire la tour. C'est ça. Fait que j'ai toujours une petite question. C'est pas un piège, mais une petite question de curiosité à mes invités. Ouais. Comme je dis tout le temps, là, si vous n'avez pas regardé les interviews jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si vous regardez mes interviews, vous le savez, mes entrevues. J'ai une petite question personnelle. Ouais. Fait que chien, pas chien, peu importe. Okay. Est-ce que tu as déjà fait une erreur dans ta vie, que tu considères, en tout cas aujourd'hui, comme une erreur que tu as faite? Mais que si tu pouvais revenir en arrière et que tu pouvais la changer, cette erreur, tu la referais quand même. OK. Oui. Ah, OK. Oh. Hey, ben, en fait, j'en aurais plusieurs. Ouais. Mais la plus récente. OK. Pas la plus récente, ben, ça concerne l'achat de Gujo. OK. OK. On va t'expliquer la patate. Ouais, explique-moi ça. Bianca, qui était mon premier d'aide, est décédée à 11 ans. Très rapidement, en 3 jours, finalement, ouais, le cancer, la rate. Bon, bref, 3 jours après, j'ai dû la faire euthanasier. Peut-être une semaine, c'est cool. Je dis, ben là, moi, je suis instructeur de chien renifleur, ça me prend un chien.
Puis, même sans mes cours de chien renifleur, ça me prend un chien. Bon. Alors, je commence à chercher le type de chien. Quel type de chien devrait me convenir? Je voulais pas aller dans le herdeil. Non, okay. Parce que j'ai tellement aimé Bianca, je dis pas pour ramener un autre herdeil. C'est pas juste, je vais comparer. Moi, toujours, être appelée à comparer, puis je veux pas ça. Puis... Alors, je cherchais d'autres races. Mais moi, je suis allergique aux chiens. Donc, OK. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais un herdeil, c'est parce que ces chiens-là ne muent pas, donc il n'y a pas de perte de poils. OK. Puis, effectivement, j'ai aucun symptôme avec les chiens à poils durs. OK. Donc, il y a toute une catégorie de chiens, tu t'entends, là, que... Ouais. Et j'ai fait plusieurs activités canines où j'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs, des éleveurs aussi. Puis là, une couple d'années de ça. Puis il me disait, puis il me voyait travailler avec Bianca, puis Bianca travaillait quand même assez bien, mais il me disait, tu sais, si tu veux vraiment avoir du plaisir, là, ça n'a pas rapport avec Bianca, là, tu veux avoir du plaisir, là, tu veux entraîner là, un chien, va donc chercher un chien de lignée de travail. Ah oui, OK. Lignée de travail, je dis, c'est quoi ça? Donc, okay. Je me fais expliquer la chose, c'est quoi un chien de lignée de travail, puis bon, c'est genre un border collie, un berger australien, tout ça, mais je dis, ouais, mais moi, je ne veux pas ça. Okay. Je peux pas avoir ces chiens-là. Mais il y a d'autres races. Là. Puis en fait, il y a des races qui sont des lignées de travail, puis il y a des races qui sont des lignées de chiens de famille. Il faut expliquer ça. Ben oui, grosso modo, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Tu sais, ce que je savais même pas okay. Une couple d'années. Là. Moi, je pensais qu'un chien, c'est juste. Ben, c'est l'éleveur, tu sais. Puis, Non. Mais je pensais pas qu'il y avait vraiment des lignées de travail où c'est des chiens qui ont. Bon. Quand on dit lignée de travail, c'est des chiens qui ont le désir de faire quelque chose. Oui. Une motivation supplémentaire. Okay? Oui. Puis encore là, je reviens avec la belle dopamine. J'ai lu dernièrement, ça c'est vraiment récent, c'est la semaine passée dans mon cours en ligne, là, que les chiens lignés de travail ont une facilité, ça c'est reconnu, ont une facilité à produire de la dopamine. OK. La dopamine, c'est ce qui fait la motivation. Oui. Ouais, ouais. Okay? OK. En entraînement, de la motivation, on en veut, la dopamine, on en veut. Puis de l'anticipation, on en veut. Oui. Fait que ça... j'ai dit, là, j'ai vraiment compris, OK, c'est ça, ligne de travail. Fait que là, ça cogitait dans ma tête. Je reviens à... Oui, à trois ans. Bon, OK, ligne de travail. Bon, fait que là, je regarde, mais moi, je suis limitée, là, dans toutes les races de chiens. Je peux pas berger très bien. Je peux pas border collie, épagneul. Bon, tu sais, j'ai tout... Berger allemand aussi, ça a des lignes berger... de travail. Oui, mais... C'est des chiens qui perdent leur poil, si t'es allergique. Ouais, puis bon, c'est ça. Ça, c'est tout barré, tu m'as... Fait que là, Malice, ça... Fait que là, j'ai... Bon. Et là, je trouve Lagotto Ramagnotto. My God, qu'est-ce que c'est ça? Et encore là, c'est pas un tueur en série. Non, mais pas loin, non. C'est, en fait, si j'ai tapé ça sur Google, je regarde, OK, c'est un chien d'à peu près 30 livres. Ça ressemble à un caniche, mais c'est pas du tout un caniche. C'est un chien d'eau portugais, mais italien. Ce sont des chercheurs de truffes. Ah bon? Écoute, ça, je connais pas ça. Ah, ouais, moi aussi, je savais pas. OK. C'est des chercheurs de truffes. Je trouve ça, OK. Je trouve un éleveur, le plus près est au Nouveau-Brunswick. C'est, okay. Près, c'est un chien qui est assez rare au Québec, là. Il y en a beaucoup en France, puis en Europe, évidemment. Okay. Au Québec, il y en a pas au Québec. Il y en avait une en Nouveau-Brunswick. Je communique avec l'éleveur, puis elle me parle de la race, puis tout ça. Puis là, je lui dis ce que je veux faire. Oui, tu peux faire ça. Oui. Elle dit, je dis, est-ce que vous avez des lignées de travail? Elle dit, madame, elle dit, un Lagotto Ramagnotto, c'est une lignée de travail. Point final. Il n'y a pas deux. Non, c'est dans. Elle dit, parmi les portées, il y en a qui vont être plus. Actifs que d'autres, oui, là, ils vont avoir des tempéraments différents, c'est sûr, mais ça n'existe pas des milliers de travail chez le Lagotto. Ah, bon. Ah, bon, OK. Fait que je commence ça, puis là, je regarde sur Internet, puis je suis presque sûre que c'est ce chien-là que j'achète. Le prix de ce chien-là, je ne le dis pas, c'est indécent. OK. et là, je me mets à regarder, là, tu sais, je taponne sur Internet, puis là, à chaque fois qu'il y a une maudite photo d'herdeille qui m'arrive d'en face, j'ai le gros sourire d'en face. OK. Ah ouais. Lagotto, Herdeil. Bon. Ben, puis peut-être le prix, comme tu dis, était complètement. Oui, le prix, c'était fou. C'était fou, décourageant. C'était okay. Fou. Mais je l'aurais payé pareil, mais c'était fou. Ah oui, je l'ai... Okay. Mais c'était fou. Bon. Là, je reviens, OK, Herdeil. Puis là, je fais des recherches sur Herdeil, j'appelle des éleveurs, tout ça. Et une éleveur qui me dit, j'ai dit, est-ce que ça existe des lignées de travail d'Herdeil? Elle a dit oui, mais elle dit pas au Québec. OK. OK. Fait que je vais arrêter de chercher. Je savais même pas que ça existait, moi, l'idée de travail de l'Herdeil. Je suis contacte avec... C'est long, l'histoire. Hein. Je contacte avec un éleveur à Trois-Rivières. J'aime ça, c'est le fun, c'est des histoires. Je contacte mon éleveur un éleveur à Trois-Rivières qui me dit que moi, non, j'en fais une de temps en temps. Là, j'en ai pas à court terme. Moi, le court terme, moi, c'est... Tu sais, c'est pas demain matin, mais bref, je vais pas attendre trois ans. Elle me donne le nom d'un... Ah, elle dit... Ben, ça tombe bien, elle dit, j'ai une éleveur.
René Novard, aux États-Unis, elle a une portée qu'elle vient d'annoncer, sa femelle, avec le mâle, elle dit, c'est des Ferrari, des lignées de travail, elle dit, oui, donne-moi ça en coordonnées. Je communique avec cet éleveur-là aux États-Unis. On a jasé 2 heures au téléphone. OK. À me réserver un chien. Wow, parce qu'elle ne vendait pas à n'importe qui. Non, ben c'est sûr. Parce qu'elle dit, moi, je ne vends pas ça à n'importe qui. My God! As-tu déjà eu un Herdin? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ton Herdin? Tiens, me parle, c'est ça. Pis, mais je peux imaginer. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec? Là, je dis, ben, détection d'odeur. Ben, il dit, whatever, le sport. Il dit, we're there. Tu sais, moi, détection d'odeur, oui, mais j'ai fait plusieurs choses avec Grigio. Fait que, OK. Fait que là, elle dit, elle accouche quand la femelle? Ben, elle accouche au mois de février. OK. Donc, Bianca est décédée le 18 janvier, okay. Puis Grugeau est né le 19 février. Oh my God! C'est incroyable. Okay. Je l'ai eu des mois plus tard, l'ai eu en avril. Je suis allée chercher en Ohio, à 10 heures de l'autre. Oh faut-tu l'aimer? Faut vouloir. Je suis allée chercher en auto, puis je ne dois pas faire l'avion. Pourquoi stresser l'avion? Puis je suis allée chercher en auto, je suis revenue ici avec. Et les premiers mois, ça allait quand même bien, mais c'est ça. Donc, et là, j'ai vu la ligne. Là, j'ai compris. C'était quoi? Une ligne de travail? Oh! My gosh! Oh! My gosh! Ce que tu vois pas du tout aujourd'hui, hein? Oui, parce que là, écoute, il dort. Il a pas fait d'activité ce matin et là, il dort depuis le début de l'entrevue. Il est sweet, il est tranquille. Je vais en manger toute une soirée. Mais on va aller se promener, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment vu la différence était nette avec Bianca. Puis, Grigio, la tenacité. La motivation, la curiosité de ce chien-là, j'avais jamais vu ça. Mes portes, mes tiroirs sont encore barricadés comme si j'avais un enfant de 3 ans. Là, okay. Parce qu'il ouvre tous les tiroirs ici encore. Pour tout te retirer, tu te fais, parce qu'il part avec tout. Mais... Oui, j'ai vu ça quand je suis arrivée. Il est parti avec mes bas, mes souliers. Oui, enfin, bon, pas tout caché. Oui. Il est bien motus pour ça. Et c'est un kleptomane. Il est encore kleptomane, d'ailleurs. Un problème profond. Mais quand je l'entraînais en détection d'odeur, parce que moi, je l'ai eu à 2 mois. J'y ai laissé une semaine de relax du voyage. Ouais. Puis la semaine suivante, let's go avec mes boires. Puis on commence avec les odeurs. Dans le temps, je commençais à travailler avec les odeurs. Écoute, c'était une bombe. Là, j'ai compris quand il m'avait dit Ferrari. J'ai dit, oh, je l'ai la Ferrari. La Ferrari ultra luxe, là, pompée. Puis j'ai vraiment vu. Et tous les comportements aussi plus tenaces qui persistent plus longtemps. Ah oui, okay. Comme le mordillage. Ça a duré longtemps. Puis c'était fort. Puis là, je me demandais même, mon Dieu, l'inhibition de morsure, je vois-tu en dire bout, les vois-tu, mais oui, ça s'est estompé, mais ça a pris plus de temps. La propreté, ça a été long. OK. Bien encore, ça a pris une semaine qu'elle demandait à la porte, mais ça a pris 2 mois. Donc, la personne me disait, tabarnouche, pas sûr que j'aurais été pas mieux que moi, la goutte au moins. Oui, OK. Dans ce sens-là, tu sais. Dans ce sens-là, tu parles de. Ben, mais aujourd'hui. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Non, je ne le regrette pas. Ça a été beaucoup de travail, puis c'est encore beaucoup de travail. L'éleveur, elle m'avait dit, tu sais, la maturité du Herdin, elle a dit 3 ans. Physiquement et mentalement, là, c'était à peu près 3 ans et demi. OK. Notre race de chien, ça fait 2 ans et demi. Mais chez le Herdin, c'est vraiment. Le Lagotto, c'était la même chose que la dame m'avait dit aussi. C'était à peu près 3 ans et demi. Wow. Donc, c'est ça. Et qu'on y arrive. Disons que l'adolescence, elle a vraiment été C-H-I-A-N-T-E. OK. Ça rend, il y avait des gros moments où il dormait. Ça me donnait un break. Okay. Parce que là, il dort depuis que t'es prêt. Ben oui, on pensait qu'il viendrait nous voir. Oui. Mais non, là, il dort comme un bon. Là. Bon, on va l'avoir vu. On va l'appeler. On va l'appeler. Hey, il s'y vient. Tu viens nous voir? Il va faire son RDL comme d'habitude, il ne viendra pas. Bon, vous le voyez pas, mais c'est trop drôle. Peut-être que tu tournes ta caméra pour la montrer. Bon, je vais vous le montrer. RD, lignée de travail hyperactif. Grande journée. T'as rien de journée. Je vais être tranquille pour l'entrevue. Je vais les laisser faire leur entrevue tranquille. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien conçu. Quand tu étais d'un bon chien. Non, regarde, pas de son, pas de lumière. Pas de son, pas de lumière. Il y a à peine l'oreille qui bouge. Elle dit, vont-tu me longer? Ah, mais t'es petit.
queue là qui bouge un petit peu. Tu fais semblant que tu nous entends pas, mais je vois ta petite queue là qui a bougé. Conné. Bon, on va te laisser dormir, mon loup. Bon, on essaye d'avoir Grigio avec nous. C'est un... Ah, ah, ah. C'est ici, là, qu'on le voit. Ah, ah. C'est assis. Oui. C'est une grosse affaire, là, là. Oui. Bah. Oui, non, ben, non, mais c'est pas un seul service, là. C'est-tu moi, du fromage? OK, assis. Oui. Couche. Bon. C'est un bon chien. Seigneur. Hey, je te jure que, hein, pour le faire venir, il fallait, hein. Ça prenait du fromage en crotte. Tu voulais, tu veux ton buffet à volonté, toi? C'est ça? Ça, ça s'appelle l'heure. L'heure, on l'heure, le chien, on l'heure, le chien. T'es bon, là, t'es bon, là, il est pas trop frustré, là. Le gros tutu. T'essaies de te servir toi-même. Ouais. Bon, OK, mais c'est quoi? Pas mal beau. C'est bon. OK, c'est bon. C'est parti? You may go. Bon, as-tu t'assois là? Qu'est-ce que tu fais? On va le laisser faire. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, je vais. C'est que ça en est. Viens-t'en. Oui, c'est ça. Oh my God. Tu dois peser, là. Hein? Pour... Et attends, j'aurais dû m'acheter l'appli délicat. C'est ça que je regrette. C'est surtout ça que je regrette. C'est de ne pas l'avoir appelé délicat. Bon, il vient de s'installer entre nous deux. Bon, c'est bon, ça. Ah oui, là. Bon, Seigneur, faut avoir l'air de quelque chose, là. T'es en entrevue, Grigio, là. Hey, mais Anne-Marie, merci beaucoup de cette entrevue. C'était vraiment le fun. J'ai appris plein d'affaires. Merci à toi. Puis j'espère que vous en savez un peu plus, sûrement, sur la détection d'odeur. Mais surtout que ça vous a donné le goût d'essayer ça. En tout cas, au Québec, Anne-Marie donne des ateliers un petit peu partout. Vous allez avoir toutes les infos. Puis essayez ça, c'est vraiment le fun. Yes! Merci! Fait que merci encore, à la prochaine, au plaisir! Merci puis, à toi! Merci, gros tutou, là! Hein? Travaille fort, là! Monsieur ligné de travail! Very good! Oui! Pousse face! Merci! OK! On a fini! You may go!